passé où tout simplement j'ai éclipsé le début de l'épisode, c'est que Alexios se promène avec l'épée de Léonidas. Et ensuite, on a eu pas mal de scènes cinématiques où les différents personnages entre Alexios et Hérodote utilisent cette épée. Elle a des pouvoirs de voyant. Donc, c'est lié apparemment à la famille d'Alexios. Et là, on est dans un endroit soi-disant où il y a la famille d'Alexios, où il y aurait plein de héros avec Léonidas, tout ça. Allez, c'est parti, on y va. C'est penser aux assassins, hein, vu comment c'est construit. Comment un endroit pareil peut-il exister? Fucking shit. Ok. Ah, je me disais, j'entendais quelqu'un. T'as les poteaux. What the fuck? Mais quoi là-dedans? Pour que ça soit. Ouais, d'accord. En tout cas, comment magnifique pourrais-je décrire endroit. ça à quelqu'un comme Marcos? Ma foi, c'est des chiffres, des lettres, comme on retrouve dans le culte du cosmos. Attends, y a pas quelque chose à faire là? Non? Je me balade de partout un peu pour voir ce qu'il y a. Il y a un autre truc là aussi. Pareil. Il y a deux trucs, à mon avis, ça fait penser à Alexios et à Alexandra. Ouais, d'accord. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Après, il y a un mur bizarre. Quelque chose brille là-bas. Ouais. Ok, il y a une partie de la terre qu'on voit ici. Qu'est-ce que ça signifie ça? Attendez, il faut que je me mette du côté lumière. Ouais, on dirait de la lave. On dirait de la lave. Là, il y a des trucs ici à Marque interagir. la forme de l'épée qu'avait Deimos à la réunion du culte. Elle aurait été forgée ici. Ok. Bon bah on va aller là-bas. Ok, c'est la lame. Beaucoup de triangles. Oh, comme dans le cube du cosmos, ok. Franc-maçon. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Wow. Est-ce que j'ai des puissances en plus ou pas?
Ah, temps de chargement. Ça me paraît bien chelou tout ça. Est-ce que ça a un rapport avec le culte du cosmos? Parce que déjà avec le triangle... Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas. Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie Issou, Alexios avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu avant de retourner voir Alexios. Arrête avec ton repose-toi, tu as raison, je vais faire une bon, pause. D'accord. Ouais. Mais seulement parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur. Vide-toi la tête. Je ne veux pas d'un chef de cellule atteint d'un effet de transfert. Sinon, tu vas nous planter avec une lance en pensant qu'on est des Hittites ou des Thraces. D'accord, d'accord. Mais les Thraces, c'est la classe. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana fait des recherches historiques. Et moi, je suis là, si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Thérapeute avant tout. Qu'est-ce que tu penses de la mission jusqu'ici? Alors docteur, qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'on est plus près que jamais de ce bâton? Le bâton est important. Mais les assassins et les templiers ont déjà trouvé des bâtons d'Éden. Nikola Tesla en a détruit un en Russie, si je me souviens bien. Oui, mais là, c'est différent. Si ce que j'ai vu en Égypte est vrai, celui-là ne contrôle pas l'esprit, mais la matière. Et le temps. Imagine qu'on puisse réécrire les lois de l'univers. La lance que tu as trouvée est là, et elle ne fait rien du tout. Elle est rattachée à une lignée. Léonidas, Alexios et Deimos, je veux dire Cassandra, ils sont intimement liés à elle. Tu es sûr de pouvoir utiliser le bâton d'Hermès? Non, mais si les Templiers le trouvent, ils chercheront partout quelqu'un qui puisse s'en servir. Qu'est-ce que tu penses de Alors, mon nouvel animus? Qu'est-ce que tu penses de mon nouvel animus? Tu veux dire notre nouvel animus? C'est du matériel d'Abstergo. Que j'ai modifié jusqu'à ses racines binaires. C'est un prototype de console d'animus, variante Brahman, avec des capacités d'entrée-sortie poussées au max. Ultra portable et avec la puissance de calcul combinée de la NASA et du CERN. Ok, c'est tout pour l'instant. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on n'ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. Waouh, les gars, on est dans la réalité normalement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, je vais faire toute une série de recherches. Fascinant. Leïla, quand je pense qu'on a fait la connaissance du grand Hérodote. Je sais, il a la langue bien pendue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce livre? Ce que je vois par les yeux d'Alexios, est-ce que ça correspond à tes recherches? J'ai dû modifier l'animus pour utiliser ce qu'on peut tirer du bouquin. Ce bouquin, comme tu dis, est une œuvre perdue d'Hérodote. C'est lui qui a inventé le concept de chronique historique. Et d'autres personnages correspondent aussi. Cléon, Périclès, Léonidas. C'est pour avoir l'occasion de voir le passé en direct que j'ai rejoint les assassins. La plupart des gens parlent de justice ou de courir sur les toits. Mais l'histoire, c'est cool aussi. J'adore l'histoire depuis toujours. Mon grand-père me racontait la vie de son grand-père en Irlande. Il était marin et aventurier. Alors, je perpétue la tradition familiale. J'ai de la chance, quoi. On se crée sa propre chance, non? Pourquoi tout le monde me répète ça tout le temps? Ma foi, qu'est-ce que tu Donc, sais j'ai rencontré Hérodote, mais je ne sais pas grand-chose sur lui. Il est trop fort. Ses histoires sont considérées comme le plus grand texte de la Grèce classique. Des gens ont bâti toute leur carrière sur l'analyse contradictoire de son œuvre. Mais le voir dans son univers, se promener dans la cité... Désolée, mais c'est un peu aéro pour moi. T'as le droit d'être une fan. Ouais. Je te laisse à ton travail. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi.
Oh, on va beaucoup se balader dans cet endroit, il y a pas mal de choses à faire apparemment. Merde, tu veux pourquoi je chose? reviens? Je te laisse à ton travail. C'est pour l'instant. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi. Ok, faut que je m'éloigne de là. Je vais essayer d'analyser un petit peu cet endroit. Sans interagir. Ok, on a la carte ici de l'Egresse. Team Hall, ok. Équipe du Hall. Ok, y a des cartons. Ah, on peut pas mettre la carte du monde. Oh, d'accord. Ok. Le numéro du Québécois. Ça, on va regarder ça. Alors, Leila Sanji, comment tu as réussi? Disons que j'ai passé une crypto-clé sous le paillasson en cas d'escorte par Abstergo. Ton intuition était bonne. Ouais, juste attends. Ils ont un lieu. Notre-Dame de Québec. Mais n'arrive pas à trouver la relique. Je suis sûr qu'elle est là. J'imagine qu'ils n'ont pas de catholiques dans leur équipe, contrairement à toi. Sans rire, Québec, nous voilà. Ok. Ensuite. Objet d'essence. Descendance potentielle. Putain, mais Assassin's Creed, quand il y a des documents comme ça, c'est un truc de fou. T'as à chaque fois des trucs de fou sur l'avenir et tout. Récoller ceux qui possèdent la capacité de recueillir. Ok. 15e siècle, ordre des franciscains. Le roi Louis XIII a exigé que Samuel de Champlain emmène des récollets au Canada. Ordre dissous du jour au lendemain au retour en France. Agent non censuré suivant la lignée censurée. Frère récollet. Père Denis Jamais, Père Jean Dolbeau, Père Joseph Le Caron, Frère Pacifique Duplessis, Frère Nicolas Vielle, noyé en 1925. Ok, je ferai des recherches sur eux. Lieu basilique cathédrale de Notre-Dame de Québec. 4 siècles de trésors et d'archives. 900 personnes inhumées sous la cathédrale. Les fouilles. En mise à jour des reliques cachées. Résumé d'opération fouille de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Objet recherché non trouvé. Compte rendu d'opération 5 septembre 2017. Les agents surveillent les lieux et en attendant de nouvelles infos. Ok. Putain, c'est super bien. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, chef d'œuvre d'architecture, site historique en 2633 et dépôt de sang. Okay. Ah, mais il y a plusieurs pages. La relique est ici quelque part dans la crypte. Joli. Selon Victorien, notre bonne catholique, les reliques sont souvent apportées à l'hôtel. Ouais. Problème jubilé d'or de l'église, foule de pèlerins. Ah, malchance. Ok, il y a du cyclisme. Notre fenêtre de 7 septembre, course cycliste, les flics seront occupés. Victoria est égale se mêler aux pèlerins, distraire les prêtres approchés de l'hôtel. Kyoshi égale grimper jusqu'au clocher, attendre le signal, porter des bouchons d'oreilles. Leila, pourvu que la tenue soit à la bonne taille. Ok. Les nouvelles. De nouvelles reliques mises à jour lors de récentes excavations à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. De nouveaux objets mis à jour. Nanani nanana. Ok.
j'ai regardé ce qu'il y avait avant. Il n'y avait pas là. Et là non plus. Ok. Alors, zone dégagée. Premier répondeur glissé dollar. Beau travail. Les médias ont leur sujet. Tu as réussi à enlever la peinture dorée car le problème ce n'est pas la peinture mais le produit dans mes oreilles. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi ce coup-là. Pardon. Si tu n'arrives pas à croire à un ange Kyoshi doré volant dans les airs, à quoi peux-tu croire? Ah, extra audio. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Ok. Il y a des trucs à compléter, je crois. Ouais, il y a... L'audio n'est pas complet, je pense. Alors, Fa Victoria. Ok, ça faudrait que je sache ce que c'est. Par contre, je vois pas cette zone-là. Ce qui est écrit, vous seul, vous pouvez voir les viewers. La réalité est une simulation. 30 mars 2018, à 2h12. J'ai fait des recherches approfondies sur les théories selon lesquelles notre réalité est une simulation et j'ai abouti du côté bizarre d'Internet. Pour l'instant, je me contente de rassembler des infos et il faut sacrément trier. Il est assez dur d'imaginer que le monde que nous connaissons n'est qu'une couche de l'animus. Mais sa manière, ça tient debout, Leila. Alors, ça c'est un fichier vidéo, apparemment, ils ont retrouvé ça sur une vidéo. 10 objets religieux au pouvoir surnaturel. Bon, c'est très repris de YouTube ça. Ching Top 10 Tops, enfin Top 10. Les miracles, à quel point sont-ils arrivés réels? Toutes ces reliques ont une histoire qui peut être bonne, mauvaise ou divine. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres listes comme celle-ci. Suivez nos réseaux sociaux pour de nouvelles listes et des infos quotidiennes. Achetez des marchandises. Reliques saints, top 10, ni compilation d'échecs. Commentaire 1, une vidéo très cool. Allez voir ma chaîne. Ah, c'est... Ah, j'adore Ubisoft. Ça représente carrément la réalité quand les gens ils font leur pub là. Commentaire de Infor Paragral. Ok. Alors, The Question Mark, Secret Science Investigation. Alors, GSBV. Ok, là j'arrive pas à comprendre. The question mark. Enquête scientifique secrète. Numéro 39, Grèce antique. Les secrets de la Grèce antique révélés. Atlantide, où a-t-elle été engloutie? Et l'imagerie satellite peut-elle nous aider à la trouver? Ah, ça fait référence au DLC de l'Atlantide. Bon, Ubisoft, c'est comme ça. Ils vous préparent les DLC. En faisant ce genre de choses, en mettant des documents dans les jeux, ne manquez pas, Hérodote tient une marionnette des Illuminati. Voilà, là on a quelque chose sur l'histoire qui est confirmé. Donc, c'est heureusement que j'ai fait cet épisode. Hercule, homme ou mythe? Y a-t-il des demi-dieux parmi nous? Des chiens à trois têtes? Des suites russes des travaux de Demikov? Ok. Nouvelles études. Pythagore, que savait-il? L'inventeur du célèbre théorème pensait aussi que les nombres étaient la clé de l'univers.
théorie de la simulation. Leila Zen Hassan, 1er avril 2018, 16h15. Hey, where I've been. J'étais en Égypte avec des amis quand le sujet réalité et simulation est apparu. Ça sent un peu le chapeau en papier d'alu, mais c'est une théorie intéressante. Quelqu'un a des publications universitaires sur le sujet? Alors, The Real Betty Bloop. Voilà un article sur le sujet écrit il y a environ 2 ans. Lire le passage sur Hans Moravec. Oh, je reconnais le travaux de Moravec à cause de quelques études que j'ai lues sur l'IA et le transhumanisme. Je ne savais pas qu'ils avaient aussi émis des théories sur le fait que la réalité est une simulation. C'est le scientifique qui travaille là-dessus. Si on veut un philosophe, il vaut mieux avoir du côté de Nick Bostrom. Ah, 16h20, poisson d'avril. Ah, c'est pas vrai. Des fois, j'ai l'impression de vivre dans une simulation. Je pose des choses et elles se déplacent toutes seules. Je vois même des trous dans mes murs qui ne mènent nulle part. Ok. Tu veux parler de fenêtres? Tu vis dans une maison de gruyère? Ok. Alors, 2 minutes, je reviens. Alors, mission candidate Arlan Cunningham. Oh, ok. Du Texas, États-Unis. Parle anglais, italien, TB. Compétences en tir et corps à corps. Potentiel clandestin élevé, touriste, marchand d'art, Vatican. Pas cette fois, congé pour motif personnel. Ok. Alors, Ryan Arana, de Boston, États-Unis. Parle anglais, latin, grec, ancien, sanskrit. Historienne, joueuse de rugby, pas encore d'évaluation de l'aptitude au combat. Expertise en matière de documents anciens et de construction d'églises pourrait être précieuse. Pas encore, toujours en formation la prochaine fois. Ok. Alors, Osaka, Japon. Parle japonais, anglais. TB, compétences en tir, corps à corps et combat à l'arme blanche. Ex-Yakuza. Ah, d'accord. Potentiel clandestin avec compétences en cuisine, gastronomie. Chef invité de restaurant ou festival culinaire à Québec. Oui. Mais il ne doit pas se surmener. Retour récent d'une mission difficile. Ok. Alors, du Québec, Canada. Parle français, anglais, médecin psychiatre, doctorat en neuropsychiatrie, spécialisé en approche neuronale des fonctions mémorielles, émotionnelles, structure de la personnalité et psychopathologie. A quitté Abstergo après l'événement Ascendance, recruté par William Miles en raison de son expertise sans précédent. Affecté à la mission, si elle est tuée, c'est la porte. Ok, d'accord. Préparatif pour la Grèce. Variante de prototype de console d'Animus. Accès à la reconstruction de données extrapolées.
Sujet, membre de la descendance de Léonidas, exactitude estimée 76,3%. VB, ce taux d'exactitude, conviendra. LH, on utilise un texte vieux de plusieurs siècles pour compléter les mémoires ADN provenant de sang tout aussi ancien. Avec un peu de chance, ça bouchera des trous. VB, d'accord, Berg avait un problème avec les simulations d'un taux inférieur à 80%. LH, Berg a tout un tas de problèmes. Ok. Bon, ça c'est l'animus comme on peut voir là où on était. Grèce, officiellement dénommée République hellénique, historiquement hélas, première trace de présence dominée vers 270 000 AEC. Civilisation ancestrale vers 3200 AEC. Déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman en 1821 a rejoint les communautés européennes, actuellement Union européenne, en 1981, a fait successivement partie de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, du territoire vénitien et de l'Empire ottoman. Géographie montagneuse à climat méditerranéen. Qualifiée de berceau de la culture occidentale par les historiens. R. Grèce, officiellement, ouais, ok, c'est juste une image, donc voilà. Alors, Hérodote et son œuvre. Hérodote est qualifié de père de l'histoire. Famille influente, Hérodote a été contraint à l'exil à Samos, puis a pris part au soulèvement qui a renversé l'île d'Amis. A étudié et écrit des livres d'histoire de voyage, a effectué des lectures en public, a acquis renommée et richesse. Sa plus grande œuvre a pour titre l'enquête ou les histoires. S'appuie davantage sur des entretiens que des documents qui de toute manière étaient généralement inexistants. Exactitude mise en doute, mais influence indéniable. On porte au crédit de son œuvre la sauvegarde d'informations inestimables sur la Grèce archaïque et les débuts de la Grèce classique. Œuvre méthodologique, méthodique et extensive. LH, il a écrit sur la Grèce et les contrées environnantes. Il a parcouru la mer Noire, s'est rendu chez les Scythes et a vécu plusieurs mois en Égypte. Ces livres étaient similaires à des guides de voyage du monde antique. AR, exact, mais une part de ses travaux sur les cultures autres que grecques était spécieuse. LH, tu veux dire qu'il n'existait pas en Inde de tribus cannibales qui organisaient des festins où ses amis étaient à la fois les invités d'honneur et le plat de résistance. Ça, je suis formel, ça n'a pas existé. Espérons que son livre perdu ne comprend pas de genre de dérapage culturel. D'après ce que j'ai pu interpréter jusqu'ici, il mentionne un groupement de génies antiques qui rassemble furieusement aux issues. Son livre perdu est censé retracer l'histoire d'un héros, masculin ou féminin, jusqu'ici inconnu, et descendant de Léonidas, premier de Sparte. Et nous savons que la lance de Léonidas était un artefact des Issous. Laissons le père de l'histoire retirer des points, relier les points. Alors, lance de Léonidas, sur une arme de corps à corps meurtrière et puissante, technologie issue. Susceptible de recevoir plusieurs améliorations, effets mentaux imprévisibles, stockage de mémoire génétique, transmise de Léonidas Ier à son premier enfant. Alors qui est Aletheia?
Ok, architecture issue. Dans les issues, alias les précurseurs ou ceux qui étaient là avant. Ils sont humanoïdes et très anciens. Ils se caractérisent par un ADN à triple hélice et 6 sens. Les issues déclarent avoir créé les Homo sapiens en tant que serviteurs et comme prétendant qu'ils mentent. Abstergo les a classifiés sous l'appellation Homo sapiens divinus. Même s'il demeure un débat à propos de leur caractère divin, il arrive que des représentants des issues déclarent ne pas l'être, mais ils s'agissent généralement comme s'ils étaient. D'ailleurs, ils adoptent souvent des noms de dieux. Ce ne serait pas plutôt des anciens dieux qu'on aurait nommés d'après eux? C'est la question de la poule et de l'œuf. Nous savons que les issues portaient d'autres noms avant d'adopter ceux que nous leur connaissons. Par exemple, Junon était aussi appelé Uni. Et juste pour vérifier, Aletheia, ce n'est pas un nom de DSI exact, boss. Ça signifie littéralement vérité. Mais si l'on pose la question à Heidegger, enfin, pas littéralement puisqu'il est mort, cela signifie les dévoilements de la vérité. Il a consacré une large part de ses travaux philosophiques à partir exactement ce que ça signifie. Et la version courte est, il est toujours difficile de faire court à partir d'un concept philosophique en allemand, mais on peut parler d'absence de voilement. Par opposition à la concordance, la vérité en tant que définition exacte de la réalité est la cohérence. La vérité en tant qu'affirmation en cohérence avec le reste de la réalité. Ok, je crois que je vais te laisser la philo et en rester là à la techno. Ça te va, ça me convient. Les issues, capitale 1. Bon, la chose suivante à assimiler, qu'il y a issue et issue. Et les acteurs principaux sont enfin été les membres de la triade capitoline, Jupiter, Minerve et Junon. Ces trois scientifiques ont constitué une équipe afin d'éviter la destruction du monde par une éruption solaire, un peu à la manière de super-héros aux intentions divergentes. Jupiter et Minerve semblaient faire preuve de compassion envers les humains, mais n'ont apparemment agi qu'après que la catastrophe de Toba a failli nous anéantir. Junon a agi en faveur des issues, mais surtout pour elle-même. Bon, ça, on peut retrouver ça dans l'histoire d'Assassin's Creed, je crois. L'une de ses solutions visant à sauver le monde a été l'œil qui a tué Desmond, c'est vrai, exact, qui a fonctionné à court terme, mais les effets à long terme sont incertains. Sous réserve que le mot incertain soit approprié lorsqu'on parle de la fin du monde tel que nous le connaissons. Aletheia semblait impliquer une fluctuation de la réalité ou la fluctuation de plusieurs réalités pendant qu'on procédait au calcul. Je croyais que tu me devais me laisser la philosophie. Junon. L'une des plus puissantes issues était Junon. Elle a constitué une armée de disciples qui ont tenté de l'aider, ainsi que son mari Aïta, à se trouver des corps. Elle cherchait à quitter le gris, c'est-à-dire une existence virtuelle, dans une sorte d'au-delà hybride spirituo-technologique. Et c'est ce que devait faire le projet Phoenix. Ce plan était si dangereux que ni les assassins ni les Templiers n'ont été capables de s'y attaquer seuls. Alors nous avons fait équipe quelque temps. Leïla, j'ai appris pour ta collègue Charlotte de la Croze, désolé, moi aussi. Une question qui peut apparaître étrange, je sais pas. Enfin, je sais que Monsieur Berg a utilisé un explosif spécial pour que l'ADN soit totalement détruit, mais il ne devrait pas rester des traces du corps Inour. Je veux
dire, on peut penser qu'il subsiste quelques éclats d'un artefact aussi puissant. Alana, quand un berg fait péter quelque chose, il ne lésigne pas sur les moyens. Ce site a été stérilisé, vitrifié. D'accord. Une autre question bizarre. Comment on fait Kyoshi, Galina et Arend pour s'en sortir alors? Trop tôt, Alana, trop tôt. Hermès. On ne sait pas grand chose sur cette issue, mis à part le fait qu'il en était un. Il a été vénéré par les Grecs et les Égyptiens. Ses disciples particuliers s'appelaient eux-mêmes Hermétistes. Le dieu Hermès, en particulier sous la forme d'Hermès Trismégiste, était patron de la magie et de l'alchimie, et son bâton inspira le caduché. En théorie, il a rencontré Pythagore et lui a remis son bâton. Nous misons toujours sur cette hypothèse. Nous avons extrapolé quelques bâtons, que le bâton était la clé de la théorie issue des équations de la réalité. D'après les informations que nous avons recueillies en Égypte, les issus sont convaincus que la compréhension des lois mathématiques de l'univers représente le fondement de son changement. Et toi, tu es convaincu? Je suis convaincu que ça pourrait être. Et ça suffit à rendre ce bâton très puissant et très dangereux. Aletheia. Alors, qui est Aletheia? Elle, par l'intuition, c'est une elle. A choisi ce nom. Elle reprochait aux autres issus leur théosnobisme. Le front uni des issus s'était déjà fissuré, comme la fois où Minerve et Junon se sont disputés devant Desmond, ou lorsque Consus a contacté les assassins à travers le temps dans le dos de Junon. Mais là, on a affaire à une toute autre forme d'insubordination. Heureusement pour nous, Aletheia a l'air d'être du côté de l'humanité. Ouais, elle me fait penser à Martin Luther, placardant ses 95 thèses à la porte d'une église. C'est peut-être le début du grand schisme chez les issus. Tu sais que tu as le sens de la formule, merci boss. Et en plus, c'est une aqueuse et ça me plaît. Du piratage, c'est ce qu'elle a fait avec les retransmissions. Désolé, je me rends compte que c'est plus mon domaine que le tien. Tu as entendu la modification de la voix, pas vrai? C'est à ce moment-là que la retransmission a été piratée, sous le nez de l'autre issue. Enfin, métaphoriquement. Comment a-t-elle fait d'après toi? Bonne question. Si on veut utiliser la manière forte, on essaie tous les protocoles de sécurité jusqu'à qu'on en trouve un qui marche. Ensuite, on ferme tout le monde dehors pour qu'il ne puisse pas annuler l'opération, ou bien en mode analogique où on utilise un émetteur radio plus puissant qui couvre l'original. L'énorme avantage dont dispose Aletheia est qu'elle a tout le temps qu'elle veut pour trouver une solution. Comme Consus, elle a l'air d'être capable de voir plusieurs époques à la fois et de communiquer entre elles, ou plusieurs réalités. J'aimerais bien pouvoir faire ce genre de multitâche. Si quelqu'un en était capable, ce serait toi, boss. Alors maintenant, les emails. Après avoir passé 39 minutes, notre prochaine mission. Cher Kyoshi, tu me fais rire. Layla. Cher Layla, le docteur Abibo m'a contacté. J'ai l'impression que nous allons avoir droit à la crèche. Kyoshi. Re-esprit d'équipe. Cher Layla, cette proposition paraît acceptable dès lors qu'il bénéficie d'une supervision constante et n'effectue que des tâches légères. Par conséquent, j'ai pris contact avec William
et obtenu son accord de prendre part à cette mission. Je sais que je rejoins le groupement que récemment, mais j'ai vécu à Québec de nombreuses années. Dans ces conditions, il me paraît plus simple de nous tutoyer. Cher docteur Bibeau, je sais qu'on vous a confié son traitement, mais Kiyoshi tient vraiment à s'occuper. Alors je lui ai dit que vous pourriez peut-être le laisser me seconder durant ma prochaine mission. Elle doit être très brève et je me contenterai de lui donner des tâches de bureau en tant que chercheur. Je sais que Maïs a une candidate, Alana, elle a l'air cool, mais elle n'est pas encore au point. La ville de Québec est aussi sûre qu'une baraque de pierre de taille et Kiyoshi restera loin de tout danger, d'accord, Leila? Ah ouais, d'accord, il y en a pas mal. Je vois, merci. Ok, double vérif. Ne le répète pas, mais elle s'occuperait des gamins du service super secret du programme Animus. J'aurais donné mon bras gauche à mon cervelier. D'accord. Je suis bien d'accord, tu m'as l'air de genre avoir beaucoup d'agir pour régler les problèmes. Je suis pareil. Bureau chercheur, ok. J'ai beaucoup de respect pour le docteur Bibeau et son ami amical, mais je crois qu'un retour au service s'impose. Je peux être utile aux assassins et cette affectation. Nanani nanana, ok. Tu es sûr de te sentir prêt? Nanani nanana. Désolé, je plaisantais, vous savez, c'était un piège en tout cas. Contente de vous avoir avec nous. Ok, j'éclipse un petit peu ta question. Devoir imposer mes histoires, tu avais un truc à me demander. Pour commémoration. C'est bon, autant laisser Galina se mettre minable. Nanana, mais je suis incapable de dire. Nanani. Si Galina t'appelle, dis-lui le. Elle a laissé des messages sur le téléphone. Nanani, nanana. Heureux salutations. Je t'appelle, d'accord. Il y a une mission en Australie. Alors je sais pas ce que c'est. Bon, après les photos, on peut pas l'audio. Le livre perdu d'Hérodote. La lance de Léonide. Ouais, c'est ce qu'on a entendu. Where? Ah, je peux pas. Bon, ça c'est fait. On a tout fait le tour ici. Alors maintenant, à... Des lapins crétins. Ouais. Easter egg. Ouais. Ouais. D'accord. Il y avait un petit easter egg des lapins crétins. Je peux pas faire quelque chose. À part ça.
Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'Animus? Non. J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Je veux pas. Non, j'ai encore des choses à voir avant de repartir en Grèce. Bien, reviens me voir quand tu seras prête. Voilà, je suis pas encore prêt. Alors, les elfes, c'est super. Mais ce serait bien d'avoir un singe aussi. Le centre ensuite, de l'univers, ici. Vers -400. Ouais, ici, avec quoi? Ah, ok, d'accord, c'est l'ordinateur. Ok. Ici, il y a quoi? Je peux rien faire. Comment ça se passe là-bas? Bien. Aucune menace visible. Contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Je crois que nos méthodes de travail sont compatibles. T'es toujours en colère à cause de la dernière fois avec Abstarco? Désolée, je savais pas que les hauteurs de Québec étaient aussi pentues. Mais hé, tes réflexes de Yakuza nous ont sauvés. Pardon, ex-Yakuza. Nous sommes en vie et nos blessures ont guéri. C'est tout ce qui compte. Bon, je vais retourner dans l'Animus et suivre la piste que nous a laissée Hérodote pour retrouver le bâton. Mais il y a tellement d'éventualités, et donc de choix. Impossible de savoir quels seront les bons. Toi qui as dirigé la branche japonaise de la confrérie, tu ferais quoi? Évaluer une chose à la fois, observer avant d'agir, ou tuer tout le monde et voir ce qu'ils ont dans les poches. À toi de voir. D'accord, j'aurais fait la deuxième Merci solution. Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail. Si Abstergo se montre, je le signalerai. Ensuite, ok, ça c'est des serveurs. On dirait échelon 3, à moins que ce soit 4. Échelon 3 ou 4 ce serait pas un clin d'œil à Splinter Cell. Dommage d'avoir dû partir, on n'a pas assez bu de caribou. Ok, là c'est fait. On a fait tout ce coin là. Ouais, ici aussi. J'ai pas envie de partir sans avoir tout vu. Ouais, l'historique est là. Oh, fiché, y'a pas grand chose. Oh, ça me fait un peu chier, il y a pas grand chose. Ah, ici. Je me demande si les jumeaux frères reconnaîtraient Londres. Mais un toit, ça reste un toit. Ah, d'accord, clin d'œil à Assassin's Creed Syndicate. Ouais.
personnage qui peut plus de choses. Bon, on va retourner dans la nuit. Allez. Tu es pressé d'y retourner, je vois. Oui, je suis prête à retrouver Alexios. Très bien, je surveille tes arrières. Et on va arrêter l'épisode là, une fois qu'on sera en Grèce. Putain, on aura fait une heure de vidéo. J'espère que vous aurez aimé. D'ici là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront quitté cette vidéo. En tout cas, elle était très intéressante. Mais j'aurais voulu voir plus de choses liées à l'histoire. C'était beaucoup trop de blabla. C'est un petit peu dommage. Bon, le temps de chargement est un peu long. Ma lance a gagné en puissance. Le culte n'a aucune chance. Ah, super. Bon, lance Léonidas. Améliorer la lance de Léonidas ici à la forge des Phaistos. À l'aide de fragments d'artefacts, son amélioration augmente votre adrénaline et débloque des aptitudes puissantes. Récupérez des fragments d'artefacts sur les membres vaincus du culte du cosmos. Consultez le menu de quête pour suivre la progression d'autres améliorations de lance. Ok. Qu'est-ce que je peux améliorer? Bah, je comprends pas trop pourquoi je suis là. Ouais, je comprends pas trop, mais on verra bien. Je vais aller jusqu'à l'endroit où il faut quitter. Et je vais juste voir l'inventaire. Combien ça m'a amélioré? Ça m'a rien amélioré du tout. Enfin bref. Eh bien, ça va plaire à Hérodote. Quelqu'un a clairement séjourné ici, bien avant nous. Je me demande si Léonidas connaissait cet endroit. Ma foi, peut-être. Ok. Il faut qu'on parle.
Tu es facile à trouver. Tu es venu seul? Tout va bien? Cassandra, tu es vivante. Ne me touche pas. Allons, petite sœur. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi? L'artefact a montré la vérité. On est frères et sœurs. Et on a quitté Sparte en vie. Il a montré la vérité. Oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne! Tu te trompes. Alors, tu crois que c'est aussi simple que ça? Allons, Cassandra. Il faut qu'on parle. Arrête de m'appeler comme ça. Je sais déjà ce qui s'est passé cette nuit-là. D'accord, Deimos. Mais elle, je ne la connais pas. C'est une demi-déesse, vénérée et crainte par le culte et par toute la Grèce. Ce n'est pas ce que tu es. Ça ressemble surtout à une fable. C'est une autre histoire inventée par le culte. Fais attention à ce que tu dis, ou je me charge de te faire taire. Tu ne l'as pas fait quand tu en avais l'occasion, et je doute que tu le fasses maintenant. C'est idiot. Nous devons retrouver notre mère. Ah, je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Je cherche notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Myrine est leur prochaine cible. S'ils la cherchent vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Elle reste notre mère. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle l'intéresse. J'ai tué Nikolaos. Ah. Je n'ai pas trouvé Nikolaos. S'il est vrai que le culte nous cherche, dis-lui qu'il peut oublier Nikolaos. Il est introuvable. Je le sais, j'ai cherché moi-même. Si j'ai pu trouver l'autre enfant perdu de Nikolaos, alors je peux le trouver. Et quand j'en serai là, il regrettera de ne pas avoir été jeté de cette montagne. Je me moque de ce que tu penses. Et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh! Tu penses que l'amitié résout tout? Qu'on devrait chercher notre mère comme des enfants perdus? Tu es trop faible. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité? Oublie tes illusions. Le culte a un projet. Et il ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Ouais, je vais détruire ton culte. Quels sont les projets du culte? Enlever ta propre mère ne te suffit pas? Ce n'est pas un enlèvement. C'est de la politique. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et ils paient pour cette erreur. Comme moi. Comme toi. J'ai appris que tu comptais te rendre à Athènes. Annonce à Périclès et aux siens que leur fin approche. Qu'espère le culte de notre famille? Le culte a épargné Myrine. Et même Nikolaos. Pourquoi les tuer maintenant? Parce que tu es en vie. Tout ça est ta faute. Le culte est puissant, mais ses membres sont mortels. Je détiens le sang des dieux, alors il pense que toi aussi. Mais il va comprendre qu'il a tort. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants, ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai? Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire.
Oh, d'accord. Pas avant de t'avoir fait mal. Pas avant de t'avoir serré dans mes bras. Wow, on peut faire un combat. On va faire un combat. Les gars, on fait un combat. Pour cette fin de vidéo. Oh, tu n'es vraiment qu'une idiote. Il va falloir faire mieux. Ah, il m'a séché. Ah d'accord, elle m'a séché. Deimos ! Oh, Malaga, Hérodote, il faut que je lui dise ce qu'il s'est passé. Bon, je vais vous laisser là les gars. C'était une vidéo très intéressante. Bon, je vous dis à plus. Ciao, ciao.